Alors, chers amis, bonsoir à tous. On est le mercredi 3 mai, nouvelle émission, nouveau numéro d'émission Pouchla et merci de votre fidélité. Vous êtes près de 127 000 sur cette chaîne à nous suivre très régulièrement. Je vous en remercie. Merci à ceux euh, qui étaient là hier soir avec l'interview de Solodan Despot. Vous pouvez la revoir en replay sur notre chaîne YouTube. Et euh, demain soir, nous recevons Olivier de la Marche à 8 h Mais ce soir, c'est euh, l'interview de ce cher Philippe Perlin. Philippe, bonsoir, comment allez-vous Bonsoir Nicolas, merci pour ton invitation. Ben merci beaucoup, oui on, on peut tutoyer bien sûr, on se connaît, on, on s'était ouais. parlé ce matin en plus sur ligne droite, aller voir l'émission était avec Philippe ouais. Béchade et, et ce soir on va essayer d'aller un peu plus avec Philippe. Tous les deux, euh, bien sûr, sur ces sujets qui sont extrêmement intéressants. Et le but de l'émission ce soir, hein, c'est de se poser la question, chers amis, de euh, la, pourquoi, pourquoi, c'est pas va-t-il, -va, c'est pourquoi la France va-t-elle dans le mur Et Philippe, tu vas, tu vas répondre à ça. Hein, c'est pour ça que je t'invite. Tu es quelqu'un de, de très clair, de très pétillant et de clair dans tes, dans tes prises de position. Et tu expliques pourquoi. C'est pour ça que je te reçois ce soir. Je te représente pour celles et ceux. Qui ne te connaîtrait pas encore. Euh, tu es économiste, docteur en économie du CNAM, auteur du pouvoir d'achat, le grand mensonge. Et Bitcoin comprendre et investir toujours chez, euh, enfin chez Aux éditions Ayrol. E allez acheter ça. Ces livres-là, surtout sur les Bitcoins, j'aimerais qu'on en parle un peu. Euh... Euh, Philippe du Bitcoin en fin d'émission, si on a le temps, bien entendu. Et ce soir, ben, on a bien sûr hein, l'agence de notation Fitch euh, qui est, représente les trois grosses agences américaines de notation. Euh, c'est la plus petite, mais il y, a, il y a Moody's, il y a Fitch et Standard Poor's. Et euh, le gouvernement vient de prendre une sacrée paire de bouffe concrètement avec cette, cette baisse de la note. Concrètement, bon, euh, toi, tu l'analyses comment cette baisse de la note Pourquoi Comment Et est-ce qu'il faut, il faut s'inquiéter Voilà. Alors, c'est une catastrophe pour Macron parce que le seul avantage. Ouais. Qu'il avait avec sa réforme d'attrait, c'était justement de donner une bonne image de la France à l'étranger. Parce qu'il faut savoir que sur les 3000 milliards de dettes publiques que nous avons, la moitié est détenue par des investisseurs étrangers. Mmh. Donc il faut rassurer ces investisseurs étrangers qui sont des fonds de pension, des banques, de, des sociétés d'assurance d'Europe, d'Asie, des États-Unis, d'Amérique. Bon, il faut les rassurer pour qu'ils qu continuent à acheter de la dette ouais. parce qu'on continue à faire des déficits et donc, il faut mmh. présenter l'image d'une France qui se restructure et qui va bientôt arriver à, à l'équilibre budgétaire, etc. etc. Mmh. Et tout ça s'est effondré avec Fitch qui, qui a parlé des mouvements sociaux. Voilà, C'était oui, tellement, tellement énorme que ouais. Fitch ne pouvait pas passer outre. Et donc, Fitch, enfin, les investisseurs se disent, bah, avec, avec un pays qui a un tel état de tension, mmh. il n'y a plus aucune réforme structurelle qui va pouvoir passer. Euh, en plus, euh, Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc euh, la situation budgétaire de la France ne va pas s'améliorer. Mmh. Et euh, donc, en tant qu'investisseur, on peut éventuellement avoir quelques craintes. Voilà. Mmh. Ouais. mais ça, c'est dingue parce que tu penses qu'ils s'y attendait ou pas Et surtout, le motif invoqué, parce que le plus, mmh. le plus délicieux, enfin le délicieux, je ne sais pas, savoureux mmh. ou désespérant, c'est justement la, la cause ou la conséquence pardon, des mouvements sociaux en France qui perdurent depuis le 19 janvier dernier. Et on est quand même le 3 mai ce soir. Hein. Oui, oui, non, mais je pense qu'il ne s'attendait pas parce que la, les réactions ont été assez… assez euh, on a vu Bruno Le Maire qui était en plein mmh. plan com pour son ah, roman. Formidable. Euh, oui. et, et Fitch lui a, lui a cassé les ailes. C'est vraiment, oui. vraiment, dommage pour la littérature, évidemment. Oui. Mais oui. Euh, voilà quoi. <laughs> Mais voilà, Bruno Le Maire a dit, ça, euh, il a critiqué Fitch et il oui. a dit, nous allons continuer la réforme structurelle, ce qui est un pur mensonge. Oui. Euh, Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée et vu l'état de tension du pays suite à la réforme des retraites, il est impossible de, de faire une, une réforme structurelle de ce niveau-là ou et encore, les réformes, et encore, ce n'était pas énorme, mais ou, ouais. d'un niveau supérieur, c'est impossible. Donc, ouais. donc le, le, le quinquennat de Macron est mort, quoi. Voilà, il va rester quatre ans à tirer. Euh, euh, on va s'enfoncer tout doucement, mais il n'y aura plus de réformes importantes au niveau budgétaire, au niveau économique. Euh, et c'est dommage parce que la France est dans une très mauvaise situation. On a une ouais. dette importante, on a un déficit budgétaire important ouais. et on a un niveau d'impôts de taxes qui est le plus ouais. élevé des pays de l'OCDE. Ouais. Avec le Danemark, ouais. mais le Danemark lui, il a équilibre budgétaire. Et puis ouais. le Danemark lui, là-bas, ça marche. L'école, la ouais. santé, ça marche. Nous, on a ouais. beaucoup, de, on, on pompe beaucoup d'argent sur le dos des Français, mais pour des résultats qui sont qui sont très mauvais dans l'éducation nationale, dans la ouais. santé, dans plein de domaines. Ouais. Donc euh, donc voilà. Donc euh, donc tout ça fait que la situation de la France va malheureusement se dégrader euh, ouais. d'année en année, quoi. Voilà. Tu, tu sais qu'il Macron, tu sais, qui me fait penser, il fait penser à un banquier d'affaires qui serait dans son bureau face à son ordi dont la souris ne marche plus. Donc il ne peut plus rien faire en fait. Il ne peut plus faire ouais. transaction. Il ne peut plus rien faire, absolument rien faire. C'est quand même assez formidable hein, avec des gens dehors qui font une quoi. mais, ouais. mais, mais, mais et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que tu le dis, il ne pourra plus faire de réformes structurantes ou structurelles euh, au choix du, de la sémantique bruxelloise. Ouais. Mais, euh, mais finalement... Euh, euh, ça voudrait dire qu'il va pas pouvoir tenir longtemps comme ça, lui avec sa petite feuille de route euh, qu'il a bien pliée dans sa poche de derrière. Euh, C'est-à-dire que en France, euh, avec la cinquième République, euh, le président la... est, est quand même solidement installé. On n'est ouais. pas dans un régime oui. parlementaire comme oui. en Italie, en Allemagne, en Angleterre où le premier, où le chef de gouvernement peut sauter ouais. si la, la coalition et euh, le, le veut. Bon, en France, on, malheureusement, si Macron veut rester, on, on, on va se le farcir encore quatre ans. Bon, voilà. Ouais. Euh, mm. peut-être pour rien faire, mais, mais, mais lui, je pense qu'il a déjà, tu parlais d'agenda, je pense que lui-même, mm. il vise plus loin, il vise ouais. l'après euh, pour avoir un bon poste euh, à l'Europe, peut-être pour remplacer Ursula von der Leyen, par exemple. Ouais. Mm. Et c'est pour ça qu'il va continuer de faire de la com et continuer d'être euh, très servile vis-à-vis -vis des, des, mm. des, des, des lois et des réglementations qui sont mises en place par l'Union européenne. Il ne va pas, surtout pas se fâcher avec, euh, avec l'Allemagne. Par exemple, ouais. il va surtout pas sortir du marché européen de l'énergie qui mmh. nous est complètement défavorable. Mais ouais. il, il, voilà, donc il va faire. Je pense qu'il pense d'abord à lui-même, à son mmh. avenir politique. Et les Français, il, bon, ils s'en fichent complètement, quoi. Voilà. Et, et la situation mmh. ne va, va continuer à se dégrader sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan de du prix de l'énergie, parce que l'inflation, elle va continuer. Hein. Donc, euh, ouais. il, faut pas, il faut pas rêver. On va, tu que ça va continuer. Ouais, oui, parce que parce là, que... on est quand même sur l'inflation alimentaire. On le sait, tu. tu... Mmh. Tu t'exprimes beaucoup là-dessus. Mais quand euh, franchement, on a des raisons de penser que l'inflation générale, médiane ou moyenne, je ne sais pas quel est le bon terme, de 6-7%, très sincèrement, les Français, quand ils vont acheter, ils vont acheter à bouffer, désolé oui, la oui, stabilité, oui. mais concrètement, euh, on n'est pas à 6-7% sur le steak, les œufs, les pâtes et autres condiments qui sont nécessaires à l'alimentation mmh. première de tout un chacun. Hein. Ben, C'est-à-dire, oui, euh, le, le, le taux de 6%, 5, 6, mmh. 6 7 Bon, qu'on peut, qu peut critiquer. J'ai écrit un livre là-dessus, le pouvoir d'achat, oui. le grand mensonge, où il y a une magouille, notamment la sous-estimation de l'immobilier. Bon, mais même oui. si on met ça de côté, bon, ça prend ça prend en compte l'ensemble, ça prend en compte les biens durables, des choses comme ça. Mais, mais l'alimentation et l'énergie, ce sont des dépenses que l'on ne peut pas reporter. Alors, on peut jouer à la marge. D'ailleurs, oui. on voit que les ventes d'alimentation de, de, de bio euh, chutent. Bon, les mmh. gens s'arrangent gens à la marge, mais, on, mais mmh. voilà, on est obligé de continuer à, à s'alimenter, à, à se chauffer, à s'éclairer. Voilà, mmh. et on a besoin d'électricité. Donc, c'est des dépenses qu'on ne peut pas, euh, qu peut pas décaler dans le temps, et c'est celle-là qui augmente le plus. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour beaucoup de Français, quoi. et, et c'est mmh. d'autant plus difficile pour les Français qui ont des revenus faibles, parce que c'est mmh. la part énergie-alimentation elle est prédominante chez les gens qui ont des revenus faibles, alors que les gens qui ont des revenus élevés, elle euh, est minoritaire, donc eux ils supportent mmh. plus euh, la hausse des prêts, quoi. Donc c'est mmh. vraiment les ménages en difficulté ou les ménages, on va dire la classe moyenne, le, le bas de la classe moyenne et en dessous employés ouvriers et mmh. sans parler des gens qui sont au chômage ou RSA eux ils, oui. ils vont morfler, euh, mmh. voilà. Et l'inflation va continuer pourquoi ben Parce que l'inflation, le, le gouvernement veut nous faire croire que l'inflation elle date de la guerre en Ukraine, sous-entendu oui. c'est de la faute à Poutine euh, s'il si, mmh. y a l'inflation. Bon. Il est vrai que l'invasion de l'Ukraine a créé une tension sur les marchés, ça a fait monter les prix, on est d'accord, mais l'inflation a été présente bien avant pour deux raisons principales. Euh, la première, c'est la planche à billets délirante de la Banque centrale européenne et de la Fed aussi aux États-Unis, hein. euh, notamment pour les dépenses liées au confinement et au Covid. Bon, on, a, on a atteint des niveaux complètement délirants. Donc quand on, quand on crée de la monnaie comme ça dans des proportions énormes, sans que l'économie euh, produise des biens et des services en phase, bah, au bout d'un moment, ça fait une valse des étiquettes. Et on ouais. assiste à ça. Et les déficits continuent. La France va continuer à faire des déficits, contrairement à ce que nous raconte Bruno Le Maire. Et même d'autres pays, même l'Allemagne va faire des déficits parce que l'Allemagne veut se réarmer. Donc, euh, voilà. Et l'Italie, l'Espagne vont pas essayer de s'améliorer, mais c'est marginal. Donc, les déficits vont continuer. La Banque Centrale Européenne risque d'être mm. Contrainte de continuer à acheter de la, de la dette. Et je ne parle même pas s'il y a une crise bancaire où là, ils seront obligés de la faire tourner à plein régime. Mais bon, même un moteur ça de côté. Donc, la planche à de billets, va continuer, les déficits vont continuer. Mmh. Donc, ça, ça génère de l'inflation. Et la deuxième mmh. cause fondamentale de l'inflation, c'est tout ce qui s'appelle la transition énergétique. Ouais. Le, mmh. fait, le fait de basculer, de construire des éoliennes qui produisent une électricité qui est chère et, que, et donc il faut la subventionner. Euh, et mmh. puis, toutes les politiques. Afférentes à la transition énergétique. C'est-à-dire, par exemple, l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, donc obliger les gens à acheter des voitures électriques qui sont plus chères. Alors, même en les subventionnant, ça reste encore plus cher qu'une voiture thermique. Mmh. Euh, la lutte contre les soi-disant passoires thermiques, euh, ça, c'est aussi un mythe parce que globalement, au fur et à mesure des rénovations et des constructions, on constate que la consommation des logements en France diminue. Ouais, ah, donc, ouais. euh, mais là tout d'un coup le gouvernement euh, euh, s'excite et veut absolument lutter contre les passeurs thermiques et donc d'ores dé et déjà aujourd'hui si vous avez un logement classé G, vous ne pouvez plus le louer, donc ah, ça, oui, amène ouais. ça amène quoi ça amène une raréfaction de l'offre locative et donc une augmentation des prix, donc toutes mm. les politiques et ça c'est deux exemples parmi d'autres toutes les politiques mm. liées à, à la transition énergétique favorisent la hausse des prix et il mm. n'y a aucun euh, recul euh, du gouvernement sur ce point là donc, on mmh. va continuer à avoir de l'inflation de l'ordre en moyenne au-dessus de 5%, je pense, peut pas forcément 10%, mais au-dessus de 5%. Et ça veut dire pour l'alimentaire, l'alimentaire, ça consomme beaucoup d'énergie. Hein. Oui, les oui. produits frais et surgelés, il faut, la il faut préserver la chaîne du froid, ça consomme <coughs> de l'énergie, il faut les mmh. transporter. Le coût d'un légume, c'est en grande partie le transport. Bon. Mmh. Euh, et donc, les, les, les prix alimentaires vont rester élevés pendant longtemps. Et euh, donc, ça, c'est vraiment problématique pour le pouvoir d'achat des Français. Quoi. Ouais, et, et on a vu aussi euh, c est, c est, la viande, maintenant, et dans mmh. certains gra grandes surfaces, on mmh. est comme ça, euh, ou certains fromages qui ont des antivols. En mmh. fait, on vient de basculer en espèce de six mois, mais dans mmh. un truc qu'on pensait pas in imaginable, pardon, il euh, y a encore six mois en arrière, de la, des antivols sur de la bouffe. Euh, mais c'est absolument. Et le vol. Le vol mmh. aujourd'hui, des gens qui volent pour simplement se nourrir. On n'est pas sur le larcin d'opportunité, on est vraiment sur le vol pour se nourrir. C'est quand même des mais indicateurs qui sont quand même. Je ne sais pas si l'INSEE les prend en compte, ces indicateurs-là. Je ne le pense pas, je plaisante mmh. en disant mmh. ça. Mais vraiment, ça, de... ça démontre un effondrement de ce pays. J'ai vu une enquête récemment. Pour mmh. les gens qui gagnent le SMIC ou en dessous, il mmh. euh, y en a 40%, mmh. 42% qui ont supprimé un repas. Par ouais. jour. Oui. Euh, ouais. Moi, je pose la question est-ce qu'on a déjà vu une telle chose depuis l'occupation Oui. Je crois pas. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est quand même une telle. Même en 2008, même la crise des subprimes ouais. en 2008, la France et l'Europe ont été impactées Il n'y a, a pas eu ça. Il y, y a une. Euh, voilà. Là, là, on atteint vraiment avec l'inflation et les salaires qui ne suivent pas mmh. euh, ou très peu. Et eh ben, on a, on assiste à un, vraiment un effondrement du, du pouvoir d'achat. Et il faut savoir, alors pour parler de l'INSEE qui ouais. magouille un peu les chiffres de l'inflation, là, il y en a un que j'en parle pas dans le lait, j'ai découvert depuis. Mm -hmm. C'est qu'en fait, l'inflation est sous-estimée. Pourquoi Parce qu'on on fait ça à partir d'un panier de la ménagère. Oui. Donc on prend un panier moyen. Mais les pondérations, elles datent de deux ans. Parce que l'INSEE met du temps à les adapter, c'est comme ça, et, et à un retard de deux ans. Et Attends, ça, ça veut dire, dire que les, les chiffres là aujourd'hui, Philippe, ils datent d'il y a deux ans. Quoi. Ils sont vraiment périmés, les chiffres. Hein. Ah, ils sont vraiment périmés, périmés parce que ouais. l'alimentation et l'énergie, comme j'expliquais, on ne peut pas vraiment les diminuer ou vraiment un tout petit peu. Donc ouais. en fait, aujourd'hui, pour beaucoup de Français, la part de l'énergie et de l'alimentation a augmenté dans le budget. Mmh. Euh, mais cette augmentation-là, elle n'est pas prise en compte. Si on la prenait mmh. en compte, ça veut dire que le poids... De l'énergie, de l'alimentation augmente dans le panier moyen de la ménagère. Et comme ces prix-là augmentent, l'inflation devrait être mécaniquement plus élevée. Mmh. Voilà, ça ferait, ça ferait peut-être 2-3% de plus. Mais mmh. comme les pondérations datent de deux ans, c'est-à-dire avant qu'il y ait de l'inflation, eh bien, mmh. on, on sous-estime, l'INSEE sous-estime complètement l'inflation. Mmh. Voilà. Et ça, mmh. on n'en parle pas. Mais, mais les Français qui font les recourses, ils le voient bien, qu'ils sont obligés de se priver sur les sorties, sur les restaurants, sur le cinéma, pour mmh. pouvoir euh, payer la, la, la nourriture. Et payer les factures d'électricité, mais ça, ça mmh. n'apparaît pas dans le calcul de l'inflation de l'INSEE mmh. aujourd'hui. Et, et C'est scandaleux de... parce que les les les, ouais. les, les pondérations devraient être euh, adaptées, pas forcément au mois le mois, mais au mois au trimestre, ouais. quoi, parce que pour tenir ouais. compte des, des variations, bon, c'est comme pendant le ouais. Covid, pendant le Covid, l'inflation a été très faible. Ouais. Le prix des transports aériens s'est effondré, mais évidemment, de toute façon, personne prenait l'avion. Ouais. Donc, euh, mais mais comme c'était des pondérations anciennes, et eh ben le le, la, la chute du prix des billets d'avion elle a été intégrée dans le calcul de l'inflation bon mmh. alors ça ne correspondait à rien parce que plus personne ne prenait l'avion donc il faudrait adapter les pondérations surtout quand il y a des changements brutaux alors les confinements c'était un changement brutal et là ce qui se passe avec l'inflation d'origine énergétique en grande partie c'est aussi un changement brutal donc l'INSEE donc, devrait en tenir compte et mmh. ils ne le font pas voilà donc ouais. on a des chiffres qui ne sont, qui, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont pas réalistes en fait l'inflation mmh. est beaucoup plus élevée que, que les 5-6-7% euh, nous parle dont nous parle mmh. l'INSEE, quoi. Voilà. Oui. Non, mais tu tu l'as dit, parce que ce chiffre il est extrêmement effrayant, les 40% mmh. de gens qui sont au SMIC mmh. qui sautent un repas aujourd'hui. Ouais. C'est effrayant. Et il mmh. y en a un autre, finalement, ce sont les gens mmh. qui, ont, qui ont fui les grandes surfaces de marques, de grandes marques. Je pense à Carrefour, je pense à Leclerc, mmh. je pense à Intermarché, je ne vais pas tous les citer, qui sont allés au niveau du hard discount. Oui, euh, oui, oui. Voilà. Alors Ali, un truc très… Ben, ouais, ouais. Ouais. Tu vois, tout un ça, Andy, pardon, truc... et, 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 ouais, ouais. et nous, je ne me rappelle plus des autres, là, Lidl, pardon. Donc, ouais, ouais. tu te rends compte que là, c est, c est, c est en, euh, je crois que c'est un million sur l'année 2021-2022. Mm. J'avais eu une étude absolument effrayante de nouveaux clients, mm. de nouveaux mm. clients, pas de clients réguliers, de gens qui avaient passé les portes parce mm. qu'ils n'avaient plus de fric pour pouvoir aller chez les, 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 marques, les marques, les grandes marques, en fait. Mais j'ai vu un truc amusant, j'habite dans le 7e arrondissement, mm. rue, rue Claire, qui est la rue. Euh... La rue Chicos, la rue des restaurants, mmh. Euh, mmh. et il y a quelques Superettes. Récemment, il y a une supérette Hard Discount qui a ouvert. On dans est en septième. plein dans le 7e, c'est un, mmh. un Aldi. On est en plein dans le 7e arrondissement. Même là, même là, Hard euh, Discount, ça fonctionne. C'est quand mmh. même hallucinant. Quoi. Même dans le 7e où mmh. le prix du mètre carré bon, mmh. dire, voilà, quoi, c est quoi. C'est incroyable. Rue Claire, il y, y a un Hard Discount où les trucs sont présentés dans les cartons. Quoi, tu vois avant, ouais. tu voyais ça uniquement euh, un peu en province, oui. tu vois, à tu vois ouais. Châteauroux, tu vois. Bon, bref, non, mais là, maintenant, c'est au cœur du 7e. Quoi. Mm -hmm. Ils présentent ça dans les, dans les cartons directement. Euh, c'est des marques que tu n'as jamais vues. Euh, par contre, les prix sont cassés. Quoi. Bon, mais euh, bon, voilà, c est, c est, ça fait un peu en garde mal éclairé. Enfin, c'est hallucinant, mm -hmm. en plein 7e arrondissement. Quoi. Ouais. Mais c'est dingue ce que tu, tu racontes. Mais... Donc, si le 7e arrondissement a du mal, si ouais. mal j'imagine ouais. pas comment, comment en, 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 ailleurs en France. Comment mmh. les gens doivent déguster en ce moment. Quoi. Oui, oui, enfin, en tout cas, moi qui habite euh, dans, le, dans le sud profond, je peux t'assurer mmh. que oui, que les gens dégustent sérieusement et mmh. ça fait peur. Mais pour ce, cet exemple est, est absolument étonnant dans mmh. le sens où j'imagine que l'enseigne en question qui est venue s'installer rue Claire dans le 7e paye un loyer très important. Et j'ai quand même l'impression ouais. qu'on est loin de la philanthropie et que ces gens veulent rentabiliser aussi le loyer qu'ils payent en fonction des charges qui sont les leurs. Dans cette enseigne. Donc, on imagine aussi qu'ils ne vont pas taper à 10 km ou à 6 km de la rue Claire et qu'ils estiment aussi qu'il y, y a des gens qui sont tellement touchés qu'ils vont de fait mmh. contraindre forcés dans cette, dans cette enseigne. Donc, ça veut dire que même au, au sein d'une classe moyenne supérieure, euh, il y a des gens qui commencent à prendre, avoir quoi. des difficultés. Voilà. Ouais. Mmh. Même dans les classes moyennes supérieures qui habitent dans le 7e arrondissement. Effectivement. Mmh. Mmh. J'étais halluciné quand j'ai vu ce, ce magasin. J'en avais déjà mmh. vu en, en province en me promenant quand j'ai vu ça ouvrir euh, Rue Claire. Mmh. Il <laughs> mmh. y a un oui. problème là. <laughs> Moi, j'ai une confiance, pas une confiance, pas une, confi pas une confi pas mmh. que je ne donnerai pas de nom, mais j'ai déjeuné il y a quelques semaines de ça avec une magistrate à Paris pour un sujet que je faisais euh, et elle me disait qu'elle avait senti son déclassement. Ouais. Une magistrate de Paris qui travaille dans un, grand tri un tribunal, euh, qui a quand même un revenu euh, très important. Mais avec euh, la conjonction d'enfants, de loyers et de prix mmh. d'énergie et d'alimentation, c'est quelqu'un, et je pense qu'elle n'est pas la seule, et peut-être mmh. que cet exemple corrobore mon, mon exemple à moi, qu'il y a quand même des gens aujourd'hui qui, même euh, qui sont assez à l'aise financièrement, aujourd'hui commencent à sentir le poids de l'inflation, le poids du le, la baisse, pardon, du pouvoir d'achat. Mais ça, c'est assez novateur, me semble-t-il, euh, Philippe. Alors, je dirais, en fait, pas tant que ça, parce qu'en fait, l'inflation. Mmh. L'inflation, mmh. elle est là, elle, elle date de longtemps, elle mmh. est là depuis l'an 2000 en fait. Parce que qu'est-ce mmh. qui s'est passé euh, Dans les années 80-90, il y avait une politique monétaire qui était sérieuse, des taux d'intérêt réels positifs, peu d'inflation, de la croissance. Bon, À mmh. partir de 2000, il s'est passé le crack des valeurs Internet sur le Nasdaq. Mmh. Et il y a eu le 11 septembre 2001 avec les attentats. Mmh. Et il ne fallait surtout pas qu'il y ait de récession, parce que sinon ça aurait pu être interprété comme une victoire des terroristes. Et mmh. donc, la Fed, la Banque Centrale Américaine, s'est mise à baisser les taux d'intérêt, son taux directeur, quasiment à zéro, de façon à soutenir l'économie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est rentré dans une période inflationniste. Alors, entre de, début 2000 et, et la période actuelle, il n'y a pas eu d'inflation. C'est pour ça que les gens ont été trompés, enfin, surtout les organismes statistiques, les gens qui payaient, ouais. ils savaient. Mais. Il n'y a pas eu d'inflation au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'inflation vraiment importante sur les produits alimentaires, sur l'énergie, tout ça. Mais il y avait une, ce qu'on appelle une inflation d'actifs. C'est-à-dire que l'immobilier, quand on regarde les prix de l'immobilier, il commence à décoller à ce moment-là. Début oui. des années 2000, à Paris et partout en France. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à se serrer la ceinture pour avoir un logement. Et mmh. ça n'a pas été pris en compte dans l'indice de l'inflation parce que l'INSEE, dans le panier de la ménagère, l'immobilier, il est à 6 seulement parce mmh. que l'INSEE considère que acquérir un logement, ce n'est pas une dépense de consommation, c'est une dépense d'investissement, donc ça n'a pas à figurer dans l'indice des prix à la consommation. Mmh. Formellement, ça peut se comprendre mais en réalité, les gens, ils commencent par louer et puis ensuite ils se mettent à acheter, donc euh, oui. ils font pas la différence et puis un appartement qu'on achète pour soi euh, ce n'est pas un investissement parce qu'on le consomme aussi, évidemment. Oui. Alors, si on achète un deuxième appartement pour le mettre en location, je veux bien que ce soit considéré comme un investissement. Mmh. Mais quand il s'agit de son appartement personnel, euh, bah, mmh. on le consomme. Donc le fait de l'exclure totalement de l'indice des prix, c'est un peu spécieux. Quoi. Voilà. Et ça a été oui. critiqué. Moi, je le fais dans mon livre, mais d'autres avant moi avaient critiqué ça. Mmh. Et, et, et donc l'immobilier n'est pas pris en compte. Ce qui fait que les gens étaient obligés de, de, de se serrer la ceinture pour payer le crédit immobilier. Et puis mmh. euh, à la télé, on leur disait que leur pouvoir d'achat progressait, que l'inflation était à 2%. Mmh. Mais eux, voilà, mais... mais... Donc il y, y a eu une tromperie à ce moment-là. C'est ce que j'ai dénoncé dans mon livre, euh, Pouvoir d'achat, le grand mensonge. Mais les actifs, c'est-à-dire tout ce qui est actif réel, c'est-à-dire ce qui ne peut pas s'imprimer facilement. Construire, mmh. on, construire, ça prend du temps. Mais mmh. tous les actifs, le marché de l'art commence à décoller à ce moment-là. Mmh. Euh, les voitures de collection. Commence à décoller le cours de l'or commence à décoller on était à peu près à 300 dollars l'once fin des mmh. années 90 et puis on, on a dépassé les 1000 très rapidement euh, voilà tous les mmh. actifs réels c'est à dire des choses qu'on ne peut pas imprimer une ferrari d'occasion bah voilà mmh. enfin il pas d'autres un tableau de picasso ouais. c'est fini il y en aura pas d'autres donc ça mmh. on sait que ça a une valeur on peut pas alors que les dollars et les euros on les imprime on s'est mis à les imprimer à partir des 2000 donc donc, le problème du pouvoir d'achat, il a commencé à se poser au début des années 2000, notamment à cause de l'immobilier. Et la nouveauté, c'est que maintenant, ça concerne tous les biens, et notamment mmh. l'alimentation et l'énergie. Ce qui fait que les gens, soit qui étaient déjà propriétaires, soit qui sont en logement social, eh ben, ils se prennent l'inflation dans la figure, alors qu'avant, euh, ils étaient protégés. S'ils si, si avaient payé, fini de payer leur crédit depuis longtemps, ils étaient, ils étaient tranquilles. Ouais. Euh, à mais c'était bien parce que leur appartement prenait de la valeur, donc tant mieux. Voilà. Mais, mais là, maintenant, avec l'inflation euh, sur l'alimentation et l'énergie, ça touche tout le monde. Mais l'inflation, elle est là depuis l'an 2000. Mmh, l'inflation ouais. au sens large. C'est ça qu'il faut mmh. bien comprendre. Alors, je, je, on parle de l'inflation. Je voulais qu'on parle de ça, parce qu'on en a un peu parlé ouais. ce matin. Et euh, je voulais qu'on parle surtout de la dette indexée mmh. sur l'inflation. <laughs> Pardon, cette espèce de grand scandale, mmh. c'est un scandale dont on ne parle pas du tout dans les médias. Qui en a parlé ah, Absolument. Ouais. La, Charles Henri Gallois en a parlé. Charles Henri Gallois en a parlé. Absolument. Il a ouais. Fortel en a parlé aussi. Vous n'êtes pas nombreux à en parler du côté ouais, ouais. chez les économistes, chez les médias mainstream. Alors là, c'est silence Radio. Zéro. Euh, mais, et, et, et pourtant, et pourtant, ça pourrait être une piste de réflexion, peut-être pour financer le prétendu déficit sur la réforme des retraites pour un retour à l'équilibre. Euh, mais c'est quand même parce qu'on parle de dizaines de milliards, là. Hein, de dizaines de alors milliards. Alors on parle. Voilà. Alors 2020... on parle Philippe là Pour 2022. Alors pour, il faut bien expliquer ce que c'est. Oui. Quand, quand un État emprunte, il emprunte à taux fixe. En France, mm. d'ailleurs, quand vous faites un emprunt immobilier, mm. vous empruntez à taux fixe et c'est quand même une sécurité. C'est-à-dire vous connaissez à l'avance toutes vos Mais mensualités. Oui. Mais il faut oui. savoir que dans la plupart des pays dans le monde, aux États-Unis, mm. en Angleterre, en Espagne… Au Canada on, on, aussi. Au Canada, au Canada on s'emprunte mm. à taux variable. Donc, quand les taux ouais. remontent comme c'est le cas en ce moment, Bam vos ouais. mensualités explosent. Et en et ce moment, il oui. y a beaucoup d'Américains, de, euh, d'Anglais, d'Espagnols qui sont prêts à la gorge avec leur crédit mm. immobilier. Bon. Donc mmh. en France, on a au moins cet avantage en emprunt à taux fixe. Un État emprunte à taux fixe et c'est une sécurité parce qu'il connaît à l'avance ses remboursements. Mais ouais. il y a des petits malins qui ont eu l'idée à Bercy d'émettre de, 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 des obligations indexées sur l'inflation. Alors pourquoi Comme ouais. ça apporte un service en plus, ça mmh. permettait de vendre ces obligations moins chères que les obligations à taux fixe. Ouais. Parce que ouais. vous, vous, vous faites en quelque sorte un cadeau, vous apportez un service supplémentaire à l'investisseur. Donc, l'investisseur mmh. accepte d'être moins rémunéré parce qu'il se dit, en cas d'inflation, je serais protégé. Maintenant, s'il n'y a pas d'inflation du tout, bah, je serais perdant. Mais s'il mmh. y a de l'inflation, je serais protégé. Voilà. Donc, donc mmh. ces emprunts-là, ils partaient un peu moins cher et on gagnait quelques clopinettes, hein, pas grand-chose, mais on gagnait. Ouais, ouais. voilà. Et il y a en gros mmh. 10% de la dette de l'État qui est indexée sur l'inflation. Alors, quand il n'y avait pas d'inflation, ça ne posait pas de problème. Mais maintenant que l'inflation explose, eh ben, ça plombe les comptes. Mmh. Euh, et, et donc, pour l'année 2022, ça représente une 15 milliards d'euros c'est à dire mmh. que c'est plus que les économies prétendues sur la réforme des retraites qui en oui. plus elle c'est même pas 10 milliards par an c'est 10 milliards à l'horizon 2030 quoi. Voilà. Donc, euh, ouais. donc rien que les emprunts indexés sur l'inflation en un an ça ça, 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 ça ça détruit la réforme des retraites, enfin, c'est hallucinant quoi mais Philippe, comment tu expliques que c'est tellement énorme, et je te laisse continuer là-dessus, ouais. comment tu expliques que c'est tellement énorme que le, même l'opposition, même le RL, ouais. même la LFI, à un moment donné, n'ait pas envoyé ça dans les dents euh, des députés Renaissance ou des ministres Désolé pour la trivialité, une nouvelle fois, mais je veux dire, c'était un argument absolument imparable pour démonter euh, cette réforme ouais. des retraites. Ça me paraît, moi, toujours. Euh, vraiment dingue, ils ont des assistants, des collaborateurs parlementaires, ils sont quand même conseillés par des économistes à droite et à gauche. Comment ça se fait que ces gens-là, à un moment donné, ils sortent pas la remuneration ils, 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 ils en ont quand même parlé, il y a, il y a ouais. un Tanguy au RN qu'on a parlé, il y a un député socialiste qu'on a parlé, ouais. euh, ils en ont parlé, mais maintenant, bon, euh, ils en ont parlé plusieurs fois, ils ont posé des questions, mais si ce n'est pas repris par les médias, ça ne peut pas... Peut voilà. Voilà. Ouais. Et le problème, c'est qu'il ne s'est pas repris par les médias mainstream, parce que c'est quelque chose d'énorme. Et, ouais. et le pire, c'est qu'on continue... Bercy continue d'émettre des emprunts indexés sur l'inflation. Alors, moi, mmh. je me suis dit pourquoi C'est parce qu'à ce niveau-là, c'est du suicide. Mais moi, je mmh. pense que la raison, c'est justement pour satisfaire ces investisseurs étrangers. Hein, car 50% de la dette est détenue par des investisseurs étrangers. Mmh. Et ils disent Bon, écoutez, on veut bien vous acheter de la dette française à un taux fixe, euh, de la même façon qu'on achète de la dette allemande, italienne ou américaine mmh. à un taux fixe, parce que c'est mmh. le cas. Mais euh, si vous ne nous faites pas quelques petits cadeaux, c'est-à-dire euh, bah, 10%. Euh, euh, vous émettez une part indexée sur l'inflation de façon à ce que nous ça, ça, mmh. ça, ça nous rapporte de l'argent euh, plus que ces taux fixe là qui rapporte rien et eh ben, on arrêtera de lâcher de la dette française ou en tout cas mmh. on en achètera moins et on exigera un taux d'intérêt plus élevé mmh. ce qui veut dire que le, le taux d'emprunt global de la dette française aujourd'hui qui est un indicateur euh, qui est suivi et euh, eh bien il est, il, il est en fait artificiellement minoré, il est minoré parce qu'on fait des cadeaux qui coûte une fortune, on fait des cadeaux aux investisseurs ouais. étrangers. On leur dit acheter mmh. notre dette et puis euh, en, en, presque en loose day, on va vous filer 10% ouais. de dette indexée sur l'inflation qui vont vous rapporter, parce que 15 milliards de coûts pour la France, c'est 15 milliards dans la poche des gens qui possèdent ces obligations mmh. indexées sur l'inflation. Et, eux, mmh. et eux, 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 ça leur fait plaisir d'avoir ça, parce qu'avec l'inflation, ça leur permet de. Voilà, mmh. ça fait des rentrées financières importantes. Mmh. Et, et, et donc, à mon avis, c'est... C'est enfin, l'explication que j'avance, c'est qu'on continue d'émettre ces obligations indexées sur l'inflation, parce que ça nous est implicitement demandé par les investisseurs euh, étrangers, mmh. et si on ne le fait pas, il eh ben, risque d'avoir un gros problème sur la dette française. Voilà. Mmh. Oui, en fait, on maîtrise, ils ne maîtrisent rien du tout. Quoi. Ils ne maîtrisent non, rien ben, du tout euh, par collusion. On, est, ouais. enfin. on, on use déjà d'expédients, ça veut dire qu'on use déjà d'expédient pour placer notre dette. Voilà, c'est mmh. ça que ça veut dire. Et ça veut dire que mmh. la situation était plus grave que, que ce qu'on pense. Alors, euh, ouais. on peut pas prévoir est-ce que la, une crise mmh. de la dette peut arriver dans un mois, dans un an. On ne sait pas, c'est impossible à prévoir. Mmh. Mais, mais la confiance, elle, elle s'effrite quand même. Hein. Et la note mmh. de, de Fitch, on verra si elle est confirmée par les autres agences, mais en tout cas, l'abaissement la, 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 de la note par Fitch, c'est quand même un, un coup de semonce. Et il y a beaucoup mmh. d'investisseurs à l'étranger qui vont se dire oh, la dette française, euh, je n'ai pu en acheter autant qu'avant. Et, ouais, ouais, ouais. Et, et le risque après, c'est qu'il bah, va falloir euh, monter les taux d'intérêt pour pouvoir séduire de nouveaux acquéreurs. Et, mais les taux d'intérêt, ça, c'est des choses qu'on paye tous les ans. Parce que la dette, 3 000 milliards, bon, c'est une dette. Mmh. Ce, ce que ça coûte tous les ans, c'est les intérêts. Les ouais. intérêts mmh. qu'on paye sur cette dette. Euh, ça, il faut le rentrer dans le budget, il faut le sortir. Et voilà. Et donc. Euh, et donc, ça, ça va dépasser les 40 milliards. Ça va commencer à faire beaucoup. C'est l'un des plus gros budgets avec l'éducation nationale et la défense. Hein. Voilà, c'est un des plus gros budgets. Ouais. Et, et pendant très longtemps, quand on était en période de taux zéro, c'est-à-dire à partir de la crise du subprime où les banques centrales se sont remises à rabaisser leurs taux d'intérêt, on a emprunté, on empruntait à taux zéro, parfois même à taux négatif. C'est-à-dire ouais. que les investisseurs nous payaient pour qu'on garde leur argent. Alors ça, c'est le rêve. Hein. C'est le rêve. Ouais, ouais, ce, qui mais... fait que, ce qui fait que la dette a augmenté. Mais pour, le pour les gouvernements qui faisaient le budget, tous les ans, il n'y avait pas plus d'argent à sortir. Donc, c'est ouais. formidable. On s'endette, mais ça ne coûte rien. Alors, allons-y. Ne faisons aucun effort, aucune réforme. Ne cherchons pas à diminuer les dépenses. Allons-y. Et puis là, mmh. maintenant que les taux remontent de façon très rapide et très brutale dans le sillage de l'inflation, eh ben euh, ça va devenir compliqué. Quoi. Et mmh. surtout qu'avec toutes ces de dettes indexées sur l'inflation, euh, ça, ça grimpe rapidement. quoi. Mmh. Alors que les dettes qui sont taux c'est uniquement quand elles sont renouvelées. C'est-à-dire, c'est est uniquement quand elles sont renouvelées. Elles arrivent à échéance, on rembourse, il faut en émettre de nouvelles. Là, on, on, on émet les nouvelles au taux de 3%. Mm. Donc, il y a un effet inertie qui, pour l'instant, nous, nous, nous profite. Mais, euh, mais sur la dette indexée à, sur l'inflation, bah, l'effet, il est immédiat. Quoi, voilà. Et mm. donc, c'est 15 milliards de plus euh, dans le budget 2022. Quoi. Oui, c'est énorme. Alors, effectivement, vous l'avez dit, hein, tu l'as dit Philippe, effectivement aussi, du doupo qu quelques en quelques-uns en parlait. Voilà, voilà, Mais, voilà, ouais. mais je pense que voilà. tu as raison, c'est surtout les grands médias qui n'ont absolument mmh. pas parlé de ça. Et par contre, eux, quand ils avaient les ministres, euh, pendant toute la période que nous avons passée depuis, allez, voilà. on va dire, novembre, décembre, on aurait pu quand même avoir un, mini un minimum de conscience professionnelle journalistique mmh. pour poser ces questions qui sont quand même gravissimes, plutôt que de nous répéter les éléments de langage de... De, 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 du ministre du travail au charisme de l'émurien, comment s'appelle-t-il, Olivier Dussopt. Euh, ouais. On aurait pu quand même avoir, à un moment donné, ce contre-pouvoir, mais ça, on le sait. Oui. D'ailleurs, si vous êtes là ce soir, chers amis, c'est que vous écoutez l'émission totalement libre avec des paroles libres. Et merci en tout cas, vous êtes trop nombreux ce soir. Et euh, n'hésitez pas, bien sûr, à euh, vous abonner à la chaîne si vous en avez sur YouTube. Mettez un petit pouce, ça serait très bien. Et, et restez euh, et activez les notifications aussi pour passer en direct. Demain soir, ce soir, Philippe Herlin. Demain soir, euh, nous aurons Olivier Delamarche à la place de Philippe Herlin à 18h et en direct. Allez, on continue. N'hésitez pas aussi à nous aider. Vous avez les liens sur YouTube en bas de la vidéo. Tipeee et pour s'abonner à Pouch Media. Aidez-nous parce que sinon, la presse indépendante disparaîtra et vous n'aurez plus que les chaînes mainstream le soir devant un beau potage à l'eau puisque l'inflation sera à 63% en alimentation et ça sera vraiment pas rigolo. Allez, on continue un peu plus de sérieux. On en a parlé un peu ce matin, mais c'est une question. Et euh, avant tout ça, je veux qu'on parle des faillites des banques américaines, parce que je sais que tu en parles aussi, toi. Euh, c'est loin, euh, c'est très, très loin, mais est-ce que c'est très, très loin de nous, finalement, euh, Philippe Ça fait un moment que ça tourne, hein, ces histoires de banques-là. Hein euh, non, en fait. Voilà. On en est, qu est où Qu'est-ce qu'il qu faut prendre voilà. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'il y a une vague de faillite hmm. Est-ce que ça peut nous arriver Oui. Alors, pourquoi une vague de faillite Parce hmm. qu'en fait, il y a des banques qui avaient. Euh, qui avait beaucoup de liquidités, notamment c'est la, la première faillite importante SVB Silicon Valley Bank. Ouais. Elle avait beaucoup de clients, des startups qui avaient plein d'argent. Bon, ils levaient de l'argent, ça marchait bien. Et puis tout cet argent, elle avait essayé de le placer sur des obligations américaines du trésor, euh, mais ouais. plutôt à long terme parce que ça rapportait plus. Et ça, c'est une grosse erreur parce que les startups, quand, quand le marché s'est un peu retourné et que les les startups ont pu réussir à faire de levées de fonds. et eh bien, qu'est-ce qu'on fait eh bien, ils sont allés chercher l'argent qu'ils avaient sur leur compte en banque. Ben oui. Et comme elles se sont toutes mises à faire la même chose, surtout que SVB n'avait que des start startups comme clients, eh bien, ben, il ouais. a fallu euh, rendre plein de fonds et donc vendre ses obligations. Mais les obligations qu'on a achetées au taux d'intérêt de 1 ou 2 mmh. que les taux d'intérêt soient à 3 ou 4 ou 5 comme c'est le cas mmh. aux États-Unis, eh bien, elles perdent beaucoup de valeur. Mmh. Et donc, SVB s'est retrouvé avec euh, des actifs financiers qui avaient perdu de leur valeur et la perte était supérieure à ses fonds propres. Et donc, c'est la faillite. Voilà. Ouais, ouais. Et, et c'est ce qui continue de se passer pour beaucoup de banques. Alors, ça, aux États-Unis, ça touche qui Ça touche des banques régionales, des banques oui. de taille mmh. moyenne. Mmh. Euh, les gens ont peur, ils retirent leur argent, les banques sont obligées de vendre leurs obligations à perte et elles se retrouvent mmh. en faillite. Euh, et, et qu'est-ce qui se passe ensuite pour éviter qu'il y a trop de, de failles que, que les entreprises ou les particuliers perdent leur argent ou qu'il y ait trop de, un effet domino les grosses banques américaines comme J, JP Morgan ou d'autres rachètent ces banques régionales et donc elles deviennent de plus en plus grosses euh, donc ça c'est une évolution qui est assez inquiétante parce qu'une fois qu'il n'y aura plus que des grosses banques euh, bah, le jour où il y a une faillite tout saute quoi alors, en mmh. France, on n'a pas ce risque-là. Pourquoi Parce qu'on n'a que des grosses banques en France. Voilà, Il y a quasiment plus de, de banques euh, de petite ouais. ou de moyenne taille. Il n'y a que des grosses banques. Donc, il mmh. n'y a pas de risque dans la mesure où ce sont des banques tellement grosses que si elles font faillite, elles font sauter euh, la zone euro, même pas seulement la France. Si BNP non fait ouais. faillite, si C'est Général fait faillite, si Unicredit ou si la Deutsche Bank euh, fait faillite, c'est tellement énorme que ça fait sauter la, la zone euro. Donc, si ça doit arriver… Euh, la Banque Centrale Européenne fera tourner la planche à billets et puis on mettra en place des plans d'aide, mais voilà. Mais ceci dit, ça peut arriver et il faut même savoir que c'est déjà mmh. arrivé. Avant mmh. la faillite de SVB, il y a une société d'assurance-vie italienne qui s'appelle Eurovita oui. qui oui. a fait faillite. Parce Donc que y a... tu parles souvent, ça c'est intéressant voilà. que tu parles de Eurovita là. Ouais. Voilà, mmh. parce qu'il y, y a des clients qui ont, qu ont voulu retirer leur argent et Eurovita n'avait pas assez de cash. Pourtant, dans mmh. leur dans leur bilan, ils avaient des obligations françaises et allemandes. Ils n'avaient pas fait des placements hasardeux ou, ouais. ou spéculatifs. Ils avaient des obligations mmh. françaises et allemandes ou italiennes, mais qui avaient, qui avaient été euh, achetées avec des taux à l'époque où les taux d'intérêt étaient faibles. Et s'il faut les mmh. vendre aujourd'hui, alors que les taux d'intérêt sont élevés, bah, ces obligations qui valent, qui valent beaucoup moins. Et, ouais. et donc au point que euh, les clients, donc il y a à peu près 300 000 clients pour des fonds totaux de 15 milliards d'euros. Mmh. Euh, donc c'est pas une grosse Cité d'assurance, mais quand même, eh ben les gens, ils ont leurs fonds bloqués parce qu'il y a une loi en Europe, hein, partout dans le, tous les pays européens, qui permet, quand une société d'assurance est en difficulté, de bloquer les retraits. Et donc, jusqu'au fin juin, les clients d'Eurovita de ne peuvent pas retirer leur assurance-vie. Alors, peut-être que ouais. ça va être réglé. Je pense que ça va être réglé parce que les sommes en jeu ne sont pas énormes. On parle de centaines de millions et non pas de milliards. Mais mmh. ce qui arrive à Eurovita, ça peut arriver à d'autres sociétés d'assurance-vie. Mmh. Euh, en Italie et en France. Voilà, et tu remarques. Ben oui, raviens, parce que Philippe, c'est question qu'on pose non. en permanence. On se pose en question en ouais. permanence. Les gens qui nous regardent ouais. ce soir et sur les réseaux, tu le sais, qu on, quand ah on ouais. parlait de ça à tous, euh, forcément, c'est est-ce euh, que notre pognon est en sécurité Parce que finalement, ce sont des lignes de compte, tout ça. C'est mmh. des lignes de compte. La loi Sapin numéro 2, toutes ces mmh. histoires-là. Est-ce que voilà, c'est la loi Sapin le, le, le risque, risque là, est là. Le risque est là. Et d'ailleurs, aucun média mainstream ne parle de d'Eurovita. Ouais, parce qu'il ne faut ouais. surtout pas faire peur aux Français dont ouais. l'assurance-vie est un des placements préférés. Alors, ouais. est-ce qu'il y a un risque Il ne faut pas que les Français se mettent tout d'un coup à vouloir vider leur assurance-vie. Parce que sinon, ouais. ce qui s'est passé pour Eurita, ça se passera en France. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, pour l'instant, on ne note pas de, un tel mouvement. Euh, ouais. Ceci dit, pour connecter avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec, euh, avec la baisse du pouvoir d'achat, avec l'inflation qui ouais. vont continuer. Au bout d'un moment, les Français risquent d'être obligés de taper dans leur épargne, et compris eh les oui. classes moyennes. Les classes eh moyennes. Oui. Bon, parce que c'est les classes moyennes qui ont surtout de l'assurance vie. voilà. Et mm. si donc les classes moyennes commencent à tirer la langue et à vider leur, leur assurance vie, là, on va être confronté au problème que connaît Eurovita, mais pour mm. des montants beaucoup plus élevés. Voilà. Il faut le Oui, savoir, ça veut hein, dire que euh... c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que sans retirer, sans mm. faire un run, en fait. sans, voilà, retirer, sans un run, genre... ça peut passer voilà. parce que une, ouais. une obligation. A été mmh. acheté 100, même s'il elle rapporte que 1%, à mmh. l'échéance, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, la société mmh. d'assurance, elle récupère 100. Bon, mmh. sauf qu'elle a des taux d'intérêt faibles, donc c'est pas très rentable, mais en tout cas, elle, elle a dépensé 100, elle récupère 100. Bon, là, ça va. Mmh. Le problème, mmh. c'est si elle doit la vendre en cours de route, ouais. avant l'échéance. Euh, mmh. Là, il y a un problème. Donc, donc s'il n'y a pas de d'assurance run, en quelque sorte, s'il n'y a pas de mmh. banque run en France, on peut passer la crise et puis on peut passer cette voilà cette augmentation des taux d'intérêt, mais mmh. euh, mais si les gens veulent retirer vraiment taper dans leur épargne parce qu'ils en ont besoin pour payer les factures d'électricité et se nourrir, et eh ben mmh. ça reste d'arriver. Et à ce moment-là, il bah, y a une loi qui permet euh, de bloquer, c'est la loi Saint-Pin-deux, voilà, oui, euh, oui. voilà formidable loi qui ouais. permet de, de dire bah « non, vous pouvez ouais. pas euh, retirer euh, l'argent, ouais. vous avez l'assurance-vie ». et Il existe une même loi qui oui. s'appelle la directive BERD, qui ouais. permet de faire la même chose pour les banques. Donc, ouais. une banque en situation de faillite ou qui est face ouais. à un bank run, et ben et pareillement, elle peut dire, alors c'est avec Bercy qui valide ça, elle peut dire « non, le, les retraits sont interdits » ou alors « ils sont limités à quelques centaines d'euros par semaine ». Ouais. Euh, pour ouais. les courses de base, mais vous ne pouvez pas retirer ce que vous avez à la banque. Voilà. Donc, ça, ouais. il faut le savoir, ça existe. Ouais. Euh, et là, dans le contexte tendu dans lequel on rentre, bah, peut-être que ça peut arriver. Enfin, en tout cas, déjà ça a été mis en œuvre en Italie pour Eurovita. Voilà. C'est une petite ouais. assurance, c'est uniquement en Italie, mais voilà, ça, ça a déjà ouais. été mis en œuvre. Hein. Voilà. Il faut le savoir. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, je voudrais revenir là-dessus, c'est que ça pourrait arriver finalement sans penser par en run ça pourrait mmh. euh, au vu d'une dégradation rapide fulgurante euh, de la dégradation économique de, de millions ou de centaines de milliers de français qui auraient besoin de taper dans leur mmh. assurance vie ou leur épargne pour manger ça mmh. pourrait à un moment donné euh, se passer ou, ouais. ou complexifier énormément les choses donc ça veut dire ouais. que les gens seraient obligés d'aller retirer de l'argent qu'ils ont mis de côté pour leurs vieux jours pour simplement manger donc ça veut ouais. dire que la situation que nous vivons des fondements économiques, elle, a, elle, elle pourrait aussi avoir ces conséquences-là, chose on, dont on ne parle absolument jamais d'ailleurs pour le coup. Mmh. Oui, mmh. mais non, tout à fait, ça peut. Et, et après, c'est là où on se rend compte que quand un domino commence à tomber, euh, ça va vite très mmh. mal. C'est pour ça qu'il faut suivre avec inquiétude ce qui se passe aux États-Unis. On, on ouais. peut dire pour l'instant c'est que des banques régionales, mais je lisais ce matin un expert euh, américain qui disait, euh, pour lui, la moitié des banques régionales américaines vont faire faillite. Ça fait 200 banques. Bon, et là, euh, JP Morgan et, et, les gros, et les gros réseaux américains, ils ne peuvent pas tous les racheter. Quoi, hein. Au bout d'un moment, stop. Quoi. Euh, mm. Donc, euh, ça peut avoir des répercussions assez graves aux États-Unis. Euh, mm. Voilà. Et en Europe, alors en Europe, ça, ça sera un jeu différent parce qu'il n'y a pas tellement… On n'a pas tellement de banques régionales, ce n'est pas le même fonctionnement que les États-Unis, ouais. mais par contre, il y a beaucoup dassurances vie euh, et il y a mmh. aussi un risque de banque run. Hein, en 2000, euh, lors de la crise du subprime en euh, 2007-2008, au Royaume-Uni, il euh, y a au moins une banque qui a fait l'objet d'un banque run et qui a dû être sauvée directement par le gouvernement euh, anglais. Quoi. Donc, ouais. voilà, ça s'est produit en Angleterre en, 2000, en 2008 voilà, et mmh. ça peut se reproduire euh, maintenant en Europe. Euh, voilà. Mmh. Ben, j'ai la transition toute faite pour, euh, parce qu'on arrive euh, presque à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on parle finalement de cette possibilité. Est-ce que, selon toi, un scénario à la grecque est envisageable On en a déjà parlé, mais c'est intéressant. Un scénario à la grecque, on parle de la Grèce de 2015 qui a été mis à genoux, mis en coupe réglée par la Troïka en 2015. Est-ce qu'en France, parce que j'ai fait une émission chez Greg Tabibian et je parlais de ça notamment, et, et, et Greg Tabibian a balancé il aime bien faire ça et je le remercie il a balancé un petit sujet de deux minutes pendant mon entretien chez lui sur ce qui avait été fait à la Grèce en 2015, notamment sur un reportage sur France 2. Et on se rend compte que ce qui a, ce qui a été fait à la Grèce en 2015, c'est en train d'être fait en France. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, euh, il y avait la case de l'hôpital public, la baisse des dépenses de public et de santé. Et il y avait aussi le dernier point qu'on n'a pas encore, et heureusement, j'espère qu'on ne l'aura jamais, c'est la baisse de 30 du salaire des fonctionnaires. Et quand j'ai revu ce documentaire, je me suis dit potentiellement, euh, c'est une, une opportunité qu'on ne peut pas écarter, mmh. véritablement. Oui, c'est-à-dire que si, si la France subit une crise de la dette, euh, d'un refus à passer sa dette comme la Grèce en 2011, mmh. ou s'il y a une crise bancaire et, euh, mmh. importante, mmh. La, la Banque Centrale Européenne fera en sorte euh, d'éviter l'explosion de la France d'une grosse banque, mais il y aura une contrepartie. Quoi. Et donc, ouais. il faudra un peu comme, les un peu comme le FMI. Euh, euh, promet de l'argent, mais en échange d'un programme de restriction euh, dr drastique, mmh. euh, il, il peut y avoir la même chose en France comme il y a eu pour la Grèce, oui, effectivement. Mmh. Maintenant, mmh. moi, je voudrais je, ouais. quand même modérer ça, c'est-à-dire, ouais. euh, mmh. moi, je considère que euh, la, la, restriction, la, la rigueur, elle doit s'appliquer à l'État lui-même. Euh, ouais. bah tu mmh. parles de diminution de salaire des fonctionnaires. Ouais. Bon, euh, euh, on, on, on peut déjà faire en sorte de ne pas en renouveler tous ceux qui arrivent à la retraite, hein, parce qu'en y a quand même, on, en France on a quand même beaucoup de fonctionnaires, donc euh, on peut déjà faire ça. Il y a, a, a l'efficacité de la dépense publique, on sait très bien qu'elle est très défaillante en France, donc il y a des progrès à faire. Euh, le problème c'est que en fait, on le sait, on sait euh, à travers les rapports euh, de la Cour des comptes, à travers d'autres euh, think tanks, euh, analyses, on, on sait ce qu'il faut faire, et, et, mais il n'y a, a pas de courage politique, aussi bien de mmh. ce gouvernement-là que de tous ceux qui l'ont précédé, quoi. Mmh. Et, et, et le problème, c'est qu'on risque d'aller vers, euh, vers des restrictions budgétaires euh, imposées de l'extérieur, Et à ce moment-là, euh, voilà, on mmh. n'aura plus que nos pour pleurer et ce sera catastrophique pour, pour les Français, quoi. Mmh. Tu penses que Emmanuel Macron, là, vu la violence sociale qui est en train d'imposer la France, euh, il ne pourrait pas, à un moment donné, aller vraiment euh, couper euh, dans la fonction publique euh, déjà, c'est le cas, mmh. notamment au niveau de l'hôpital, on voit qu'il y a un sacré souci, mais peut-être dans d'autres branches du secteur public, on va dire. Je ne sais pas, mais euh, il pourrait, il pourrait euh, faire ça pour plaire à la Commission européenne. Oui, on le voit bien avec la réforme des retraites, même si... Pour les faire les fact-shakers n'arrêtent pas ouais. nous dire que ça n'a absolument rien à voir. Oui, non, mais bien sûr. Et on on sait, on sait. 50, que la réforme des retraites, c'est Bruxelles, mais bon. Euh... Voilà, non, mais on sait, on sait que ça vient de Bruxelles, mais, mais en, même temps, ouais. en même temps, moi, je n'adhère je, je, pas à 100% à ce discours qui consiste à dire que ouais. la rigueur, mmh. c'est la faute de Bruxelles. Oui, oui. Euh, ouais. Moi, je considère qu'on doit d'abord euh, prendre conscience du fait que la France n'est ouais. pas capable, depuis, depuis 275, d'équilibrer ouais. un budget et de faire elles-mêmes les efforts, de s'imposer elles-mêmes les efforts. Tous les pays l'ont fait à un moment ou à un autre de leur histoire, hein, que ce soit euh, mm. euh, la Suède dans les années 90, que ce soit mm. euh, l'Allemagne des années 2000, que ce soit euh, le Canada aussi. Bon, mm. Tous les pays, mm. à un moment ou à un autre, euh, ont su bon, se remettre en cause et, et faire des réformes, et, et retrouver un équilibre budgétaire, ou en tout cas éviter que la dette se mette mm. à déraper, comme c'est le cas chez nous. Quoi. Mais mm. la France, euh, l'Italie... Euh, la Grèce euh, n'ont jamais su faire cet effort, alors après on ouais. va pleurer on va dire c'est la faute à Bruxelles si on nous impose la rigueur non c'est de notre oui. faute parce qu'on n'a pas su faire les efforts au moment où on aurait dû le faire, oui. et oui. après quand on est au bord de la faillite et qu'on oui. est obligé de quémander de l'argent, on va dire ah ben, c'est de la faute de Bruxelles, c'est de la faute du oui. FMI oui. Euh, oui. non c'est un peu facile c'est d'abord notre responsabilité oui. euh, euh, on n'a pas été à la hauteur de no oui. de, de, des enjeux et aucun gouvernement, ni droite ni gauche n'était à la hauteur des enjeux. Et voilà. Et C'est d'abord bon. ça qu'il faut voir, plutôt que de mettre ça sur le dos de Bruxelles. Voilà. Je trouve ça un peu facile de mettre ça sur le dos de Bruxelles, quoi. Voilà. Ah ben tu me donnes le thème d'une émission, mon cher Philippe. On va pouvoir débattre de ça dans une prochaine émission parce que c'est passionnant. On n'est pas d'accord. D'ailleurs, j'essaierai de mettre quelqu'un en face de toi qui n'est pas d'accord avec ça. Ça va être passionnant qu'on puisse dé débattre de ça parce que c'est aussi ça, les amis. Pouch, c'est du débat. On n'est pas tout le temps d'accord ensemble, mais au moins, on se laisse passer. On s'invite. Merci, Philippe, d'être venu ce soir. On arrive à la fin de cet entretien. Je te représente, bien sûr, économiste, docteur en économie du CNAM, auteur du pouvoir d'achat. Le grand mensonge, lisez-le, c'est passionnant. Et Bitcoin. Comprendre, et investir toujours chez, aux éditions, pardon, chez Erol, bien entendu. Merci Philippe, je te souhaite une excellente soirée, en tout cas. Merci, euh, merci d'être venu. Nous, on se retrouve, chers amis, demain soir, 18h pour Olivier Delamarche. Et mon téléphone a sonné, c'est une confirmation. Vendredi, ça sera Philippe Pasco pour son nouveau livre. Donc, demain soir, 18h, pour Olivier Delamarche. Et euh, je, vendredi soir, euh, Philippe Pasco, à la place de ce cher Philippe Herlin je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit demain soir. Et d'ici là, allez tous sur médias et achetez surtout le livre de Philippe Perlin, les livres de Philippe Perlin. Allez, bonne soirée. Bye bye, la démocratie. Salut, ciao.